Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien évidemment Cinejin qui est là pour vous proposer un tout nouveau gaming show. Alors, vous allez voir, le jeu, j'ai pas vraiment besoin de vous le présenter. Regardez, si je fais ça, plutôt si je fais ça, déjà vous avez remarqué un truc derrière sa tête. Et si je fais ça, ah, forcément vous le reconnaissez, hein, c'est notre bon vieux agent 47 hein, qui est là, présent, frais, dispo. Pour bien évidemment nous proposer un tout nouveau gaming show. Un gaming show, on va dire pour la première fois, on va vous faire un jeu qui est de l'époque, puisque c'est 2016. Et oui, nous sommes donc le 21 mars 2016. Le jeu est sorti le 11 mars 2016. C'est un jeu qui est édité par Square Enix, développé par Aero Interactive. C'est un jeu qui compte des conseillers bien sûr aux 18 et plus, c'est normal. C'est un jeu qui est action-infiltration. C'est un jeu d'ailleurs qu'on va découvrir ensemble. Alors non, on va pas le découvrir ensemble au début. La raison est simple, c'est que j'ai eu des problèmes de capture. En fait, c'est passé que bah, j'ai fait une première capture par rapport à la première mission, et c'est avéré qu'elle a tout simplement complètement foiré. Et tout simplement bah, on a dû, j'ai dû la relancer. Il y a eu un problème de synchronisation labiale tellement forte que même c'était quand même un petit peu indécent. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai préféré envoyer ça. Et donc je connais les deux premières missions, c'est-à-dire les deux premières missions du prologue. Je les connais tout à fait. A noter d'ailleurs une chose très importante, c'est que ce jeu sera également un test, puisque je vais donner mon avis sur le jeu. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, parce que ce jeu a quand même créé une sacrée polémique. Alors pas au niveau de la qualité du jeu, puisque j'ai vu des... Alors je sais que jeuxvideo.com l'a noté 14. Après, j'ai pas vu les autres notes particulières, mais je sais que vous avez été relativement assez choqué hein, par rapport à son système de facturation, son paiement à l'acquisition, puisque en fait le jeu est compartimenté. Enfin, là où par exemple dans Life is Strange ou d'autres jeux, bah, c'est compartimenté, mais vous avez quand même une durée de vie assez, on va dire, de 3-4 heures. En plus de ça, bah, Life is Strange, c'est aussi des petits gars qui bossent ça, relativement bien. Et aussi, plus important, c'est aussi compartimenté en épisodes, c'est déjà assumé, des choses comme ça. Et je m'égare d'ailleurs, et surtout, au niveau de l'intrigue, c'est vraiment une sorte de position au niveau des épisodes et tout le reste. Bon, je m'égare par rapport à ça, mais pourquoi ça a fait tellement polémique par rapport à ce jeu? Parce que dans Hitman, le jeu est compartimenté, en fait, vous avez un jeu complet, mais il est séparé en plusieurs, morceaux. Il est morcelé, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans ce jeu, dans l'acquisition que j'ai obtenue à 12,99€, je n'ai que le prologue et Paris. Je n'ai rien d'autre. Et, par exemple, fin avril, si vous voulez récupérer, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Venise ou je sais plus quoi, vous allez devoir payer 7,99€. Après, si vous voulez encore, vous allez devoir payer encore un certain nombre de jeux. Puis vous allez devoir payer encore. Alors certes, on vous propose de récupérer le jeu intégralement à 49,99€, mais le problème il est surtout sur un point particulier, c'est que, étant donné que vous pouvez le récupérer, certes vous êtes ambitieux, vous avez envie de l'avoir, vous avez envie de vous le tester, mais le gros problème, c'est que le prologue, déjà c'est une version bêta, mais ça c'est une autre histoire, mais le plus important, c'est que ce jeu finalement, eh ben, si vous l'aimez, imaginez vous achetez ça à 49,99€, faut être patient pour avoir tout avoir, sauf si vous ne l'aimez pas. Et bah ça peut poser problème. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce jeu. C'est à dire que je vais le tester. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et à la fin, quand j'aurai fini Paris, je vous dirai si le jeu mérite à ce qu'on continue. Est-ce que vous, pour moi, est-ce que je l'aurais envie de le continuer? Alors ça restera que mon avis, bien évidemment. Peut-être que vous direz non Sio, tu déconnes, le jeu il est super, il n'y a pas de souci. Mais étant donné qu'on nous a l'opportunité, parce que pour moi aussi c'est une opportunité de dire ce jeu là il est morcelé et donc j'ai le droit de pas choisir ce que je veux faire à la suite, écoutez, il n'y a pas de souci, je vais faire exactement ça. Après on verra par la suite, peut-être que bah, au fil du temps ce sera donné. Bon allez, on va arrêter de parler, fait déjà 4 minutes 40 que je raconte ma vie. Il est important bien sûr que je vous explique tout ça, parce que vraiment la grande question que vous allez devoir vous poser, c'est, et d'ailleurs qu'on se posera durant tout le jeu, c'est est-ce que ce jeu mérite tout simplement qu'on achète la suite. C'est ça la question quoi. Parce qu'en tant que tel, la durée de vie est relativement ridicule. Hein. Alors le jeu est en anglais, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade.
Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Alors ça va être le programme d'entraînement, c'est le tutoriel en fait pour traduire littéralement. On va faire assez simple, hein. On a une cible à éliminer. Cette cible en fait, on fait ça. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Alors voilà, on se retrouve donc dans cette zone. Alors le premier épisode, en fait, la première mission, elle est tout simplement, je crois qu'elle est virtualisée d'ailleurs, je crois que c'est ça hein, pour information. Alors l'objectif en fait c'est de suivre les prérogatives qu'on vous donne. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Et donc ça va me permettre justement de vous présenter entre guillemets le jeu. Jeu Hitman, pour ceux qui connaissent pas la série Hitman, je vais vous la présenter par rapport à ça. Alors voilà, ici par exemple vous avez tué vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Voilà, par exemple ici, il faut savoir que dans Hitman, il y a l'art du déguisement. Vous ne pouvez pas rentrer à n'importe quel endroit, il vous faut parfois vous déguiser pour pouvoir avancer. Alors il faut savoir aussi quelque chose de très important. Là vous avez entraînement guidé, etc. Donc là l'entraînement il est guidé hein. Donc vous devez, la cible c'est Calvin Ritter, donc vous devez y aller. Et donc on vous propose un petit peu de vous emmener par la main. Donc là vous avancez, vous faites passer par la fenêtre. Et là vous avez, donc là on va s'accroupir. Et donc on va, donc là on peut faire ce qu'on appelle une attaque silencieuse. Puisque en fait, si on l'attaque directement de face, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va faire du bruit. Et c'est un jeu d'infiltration, donc il faut éviter de faire... On peut bien sûr y aller à la bourrin, hein, c'est pas souci, hein, mais... Il vaut mieux quand même s'occuper de ça. On va se déguiser. You put on his clothes. Et on va le déplacer. D'ailleurs, pour information, le jeu, je crois, base d'il y a 20 ans. Alors, je pourrais pas vous dire de quel Hitman il s'agit. Est-ce que c'est le 1? Alors, je pense que c'est au-dessus du 1, bien sûr. Après, je pense que c'est le 2, parce que... C'est avant le 2, parce que je rappelle que dans le 2, 47 se planque parce que voilà, tout simplement il est dans une situation assez compliquée, il est dans un truc de moine, etc. etc. Et peut-être que ça se joue entre les deux, peut-être. Là c'est, en fait c'est le moment où il arrive dans l'agence et qu'on lui présente en fait l'agence. Pas trop compris d'ailleurs pourquoi ils ont fait ça, parce que Absolution nous offrait vraiment des opportunités, on aurait pu voir un 47 beaucoup plus. Il y avait ce côté émotif de la part de 47 qui était présent dans Absolution qui peut-être ne se retrouve pas par rapport à ça. Mais bon, ça on verra après. Peut-être qu'on verra un scénario très intéressant. Bon, ensuite on va appliquer le mode instinct. Le mode instinct en fait il vous donne la possibilité de regarder différents objets qu'on peut utiliser. Vous voyez par exemple là on a un verre qu'on pourra utiliser. On a en rouge c'est notre cible. Vous avez également les différentes personnes que vous avez par ici. On peut bien évidemment. Donc là voilà, on peut suivre la cible. Ah, par exemple, ici. Vous
fait, il a un garde du corps qui lui suit après. Et... oula, attention. Ah, il se cadre en cours, en fait, c'est pour ça. Donc voilà, il vous dit, vous ne pouvez pas y aller parce que vous devez vous déguiser en membre d'équipage. Pas de problème. On va rentrer dans cette salle. Et là, il vous dit, jeter un objet contendant sur une personne, vous ne ferez pas connaissance, mais après, on prendra ses esprits si quelqu'un la trouve. On va pas faire ça, on va fermer la porte. On va récupérer la clé anglaise si ça l'amuse. On va se mettre derrière. Voilà. On va se déguiser. Alors bien évidemment, et on va justement faire. A noter d'ailleurs qu'on peut bien évidemment mettre du poison un peu partout, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on va sortir par là et faire le tour et se barrer. Le tour, et là on a notre cible qui est ici, qui est en train de discuter, mais il connaît notre équipage. Vous avez vu, on a des petits points qui se trouvent au-dessus de, des personnages. Ceux qui vous connaissent que vous, l'équipage, forcément ils savent que vous n'êtes pas de l'équipage. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire un peu la comédie, comme là ce qu'on fait, par exemple, arrêter de, on se camoufle. Là, par exemple, on joue le barman, mais si jamais par exemple je me déplaçais, je sais pas si on peut le voir là. Alors on peut pas le voir malheureusement. Si par exemple on a un marine qui est votre supérieur hiérarchique, un pote à vous, ou des choses comme ça, il va vous dire, tiens c'est bizarre, lui je le connais pas. Et donc forcément bah, il va falloir serrer les fesses le plus facilement possible. Donc là on a un type au chapeau qui est là. Après Hitman possède une belle rejouabilité, hein, faut quand même le dire. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs façons d'éliminer notre adversaire, on verra ça dans la deuxième. C'est pas une deuxième mission parce qu'en fait on reproduit la mission, mais il faut l'éliminer d'une autre façon en fait. On vous dit voilà, il a été tué de cette façon là, on va essayer de trouver une autre façon de le tuer. Ça peut être subtil, ça peut être à la bourrin, à vous de décider concrètement comment vous comptez faire. Donc là, vous voyez, on vous demande de suivre la cible. Donc vous n'allez pas la suivre, hein, bien évidemment. Vous pouvez essayer de la suivre. Alors, on peut se la suivre. Hein, mais... vous allez voir, à un moment donné, il va vous dire vous ne pouvez pas avancer parce que bah, vous êtes un. Donc là, vous allez y aller. On va suivre. Pour l'instant, on suit. On suit tranquillement. Voilà. Là, il vous dit. Vous voyez, il vous dit. On peut pas y aller, donc là on va devoir s'infiltrer dans le bureau. Donc ce qu'on va faire, on va faire le tour. J'aime bien le graphisme, je trouve quand même que c'est pas mal au niveau graphique. Alors pour information, j'ai pas tout mis au maximum, je sais pas pourquoi le jeu m'offre pas la possibilité de mettre des textures au maximum ou des choses comme ça. Et je suis en 720p parce que je sais pas pourquoi le jeu me fait des ratés assez exceptionnel. Allez, c'est parti, on va sauvegarder. Donc là, vous connaissez, on va se mettre à couvert. Et donc là, on est en train d'observer la réunion, en train de discuter. Observez bien les différents aspects hein, de ce qu'on fait pour cette version-là, parce que forcément, on trouvera une autre solution pour le deuxième épisode. Alors maintenant on va changer de papier, on va prendre le silencieux. Give me a sec. Ceci. It's just on the tip of my tongue. Voilà. Your target is down. Now head towards an exit. Alors, par contre, on va enlever notre pistolet. Voilà. Et on va se barrer comme si de rien n'était. Vous voyez, on descend tranquillement, comme si de rien n'était. Et là, regardez, vous avez un... voilà, les membres d'équipage sur l'impontement va vous démasquer, mais avec votre déguisement, trouvez un autre moyen de quitter le Yarch. Alors, on peut reprendre le déguisement qu'on avait d'époque, mais il y a une autre façon, regardez. Bien évidemment, si vous n'avez pas fait le jeu... là, je l'ai fait, c'est pour ça que je le connais. Hein. Si vous n'avez pas fait cette partie-là, vous ne savez absolument pas ce qu'il faut faire.
là vous avancez. Je vais commencer à cavaler un petit peu. Ça. Évidemment, le but du jeu est d'éviter de tuer tout le monde. Hein. Et donc voilà, on appuie sur le bouton et on termine. Pas de secret, hein, c'était relativement. Alors, la partie là qu'on vous propose était relativement facile. On vous la tient par la main, on n'est pas en train de dire voilà, c'était relativement facile. Après, vous allez voir que, bien sûr, au fil du temps, on va moins vous tenir par la main. La deuxième épisode en est carrément l'exemple. Mais vous allez voir quand même qu'on vous donne quand même petits conseils, vous allez voir ça très rapidement. It could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. Alors justement, voilà, ce qu'on va vous proposer là, c'est en fait ce qu'on appelle l'improvisation. C'est-à-dire que là, si vous avez, tous les défis, en fait, vous avez à peu près tous les défis qui vous sont proposés. Par exemple, vous pouvez vous déguiser en Norfolk, en fait c'est le mec au chapeau, et rencontrer votre cible. Vous pouvez bien sûr faire l'ironie, vous pouvez... Il y a différents petits défis par-ci par-là, des défis qui ne sont pas forcément des moyens de tuer, hein, mais il y a aussi les moyens de tuer qui vous sont bien évidemment proposés. Alors est-ce que je peux prendre ça? Ah d'accord, on va le poser parce que sinon... Voilà, on va quand même récupérer les munitions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... le crochet. On va récupérer les pièces de monnaie. Alors les pièces de monnaie, ça sert en fait à attirer l'adversaire, hein. Et là on a un explosif de l'ICA, déclenchement à distance, que je fais complètement n'importe quoi puisque je suis en train de franchir un truc. A noter bien sûr que votre comportement, s'il est suspect, évidemment, vous avez un champ de vision. Par exemple, ils ont vu que j'avais utilisé récupérer ça par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un maximum de défis. Donc là, vous voyez ici, on a des policiers qui sont là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer un déguisement pour essayer de donner. Alors les pièces de monnaie, ça représente un petit peu aussi ce qu'on avait dans, dans les anciens Hitman. Donc là, on fait ça. On va le maîtriser. Mais évidemment, quand vous, là, je sais qu'ils ne vont pas se retourner. Mais quand vous avez, quand vous connaissez pas le jeu... C'est évident que vous avez vous essayez différentes choses, etc., etc. Donc là vous faites ça et vous le cachez à l'intérieur. Alors on va récupérer le pistolet, on va le planquer comme si de rien n'était. Là vous avez vu, ah, vous voyez ici, il y a le fameux rond blanc qui me montre en fait que le jeu, et vous allez voir que on va pouvoir s'infiltrer dans le bateau comme si de rien n'était. Par rapport à ça. Alors comment on va faire? Vous voyez, il est toujours là-bas lui. Alors on pourrait le maîtriser, hein. On pourrait utiliser une pièce de monnaie, le planquer, mais il y a quand même des gardes autour de soi. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout me diriger par là. Et je vais passer par la fenêtre. Ah, Hitman possède... Après, Hitman possède le défaut, finalement. Le défaut qui est très important, c'est que... Quand vous avez, par exemple, vous avez pour intention de recommencer, c'est vrai que vous avez peut-être... Il va falloir vraiment faire preuve d'imagination pour trouver des nouvelles façons de tuer. Est-ce que le mode défi, il est lié à cette partie tutorielle qu'on vous donne tout? Ou est-ce qu'au fil du temps, on va vous donner des opportunités quand vous les découvrirez? Je pense que ça, par contre, ça serait intéressant. Parce qu'on vous donne carrément tout, là. Alors, la mort au rage, je la connais parce qu'en fait, je l'ai découvert ici. J'avais mis un peu de temps à trouver la dernière fois pour ceux qui se poseraient la question. Et ici, en fait, on va récupérer un déguisement qui est celui-là.
Alors pour information, vous voyez, on va récupérer ça. J'ai pas. Est-ce que j'ai eu le défi de et rentrer. Regardez ça. Ouais, bah, en fait, oui, parce que pour information, je les ai obtenus dans la dernière partie. Donc forcément, je n'ai pas à les reproduire à nouveau. Alors on peut bien sûr jouer avec la surprise, hein. On peut bien sûr débrancher des fusibles, des trucs comme ça. Je le ferai pas parce que voilà, pas trop besoin, mais. Moi je trouve que la technique à la Morora est plutôt classe, vous allez voir ça. Voilà, on a la Morora, on avance. D'ailleurs les déguisements nous donnent une certaine importance qu'il faut pas négliger. Donc là voilà. Là vous voyez, il est là-bas lui, hein, vous voyez. On peut empoisonner en fait celui de là-bas et devenir. Est-ce que je le fais? Attendez, on va faire un truc, on va sauvegarder. Voilà. Et je vais empoisonner le point rouge. Ouais. J'espère juste que ça va marcher. Parce que en fait, ce que je voudrais, c'est changer un petit peu. Normalement, j'utilise la Morora pour contre Ritter. Et en fait, Ritter va se diriger dans les toilettes, je le noie. Et en fait, en le noyant, je finis ma cible et après je rentre chez moi comme si de rien n'était. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher son collègue, le mec au chapeau. Est-ce qu'il est là? Ah, il est toujours là-bas, donc pour l'instant. Ça permettra justement de vous présenter différents moyens. Alors, vous avez vu, hein, il y a un. Surtout que ceux qui disent ouais, Sio, tu risques quand même de. Tu risques quand même de te faire opérer. Il faut pas oublier un détail, c'est que ce personnage là, peut-être qu'il le connaît pas, etc., etc. Donc vous voyez, on va attendre tranquillement qu'il rentre. Alors chaque personnage, il faut pas l'oublier, se dirige vers un rythme complet. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple là, en fait si vous voulez, c'est comme si on avait lancé une minuterie. Et à X temps, monsieur là va se diriger, va faire ça à tel endroit. C'est acté, signé, c'est comme ça. A vous de faire preuve de rapidité, de réflexion. Et forcément, plus vous allez vite, plus vous pouvez le surprendre et trouver des solutions. Alors, par exemple, là, vous voyez, je savais que il allait boire ce vin à un moment donné. En fait, dans une discussion, les anciennes parties, il vous dit, voilà, versez-lui un verre, etc., etc. Donc, on attend. Là, il est là. Clay va boire son vin. Clay va boire. Alors logiquement, il y a la Morora dedans. Là, il sent mal, vous voyez, il sent mal là, vous voyez. On va attendre. Il y a des extincteurs, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc là je fais ça. Et il rentre par là. Je vais fermer la porte. Et en fait là, vous le noyez. Voilà. Là vous remarquez qu'il est écrit innocent tué, puisque là c'est un innocent qu'on a tué. On aurait pu le maîtriser, mais j'ai trouvé ça marrant de vous le faire de cette façon là. Donc là vous sortez. Et en fait ce costume d'ailleurs est très unique, hein, il n'en a pas d'autre. Forcément vous serez plus tranquille avec celui-là. Par contre on va faire un truc. Là je vais monter. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est qu'il a une barbe en fait et que 47 ne le voit absolument pas. On va essayer du port pour lui parler. This is the universe's way of telling you to quit,
to get out of the game while you still can. Funny how you and the universe always tend to agree. Je pense qu'il faut attendre qu'il ait fini de parler. Anyway, you told me this Norfolk job would be your last. And now I overhear the crew talking about Istanbul and Stockholm. What gives, Calvin? I didn't lie, Callista. Look, you don't have to retire just because you leave the field. Most great players simply become managers. You're recruiting. Now you're catching on. This sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. Alors bon, je peux lui parler là. Alors voyez ici, en moment, il boit son verre, il va se diriger dans les toilettes et en fait, moi, je le tue à ce moment-là. Mais comme il n'y a pas de Morora là. Mr. Ritter, I'm terrified. Mr. Norfolk, we meet at last. So good of you to fly down. Shall we? Either way. Et je vais préparer un truc. Je vais préparer la corde de piano. Hi, Mr. Norfolk. Oui, en plus, c'est très. Ah, salut, Monsieur Norfolk, etc. En fait, il y a un défi qui me dit éliminer avec la corde de piano. Et là, je peux donc traverser comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça en va. Ah, il a fait un truc qui me sidère un peu là. Il est parti. Est-ce que j'ai fait un truc qui l'a un petit peu énervé? Ouais. Un buste. Il y a un soldat là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas attaqué. Il y a le garde du corps qui est juste derrière. Hello, Mr. Norfolk. Mr. Norfolk. Voilà. Faut le laisser là. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va passer par la fenêtre. Voilà. Et comme ça, on se barre. Alors, pour information, on peut bien sûr s'occuper là-haut aussi, hein, pour information. Ah, j'ai deux moyens de me déplacer a priori là. Quelque chose que j'avais pas d'habitude. Ah, je peux partir en avion. C'est génial ça. Ah bah d'accord. Et voilà, j'ai terminé la partie. Je savais pas. Donc voilà, il y a d'autres façons de le faire, voilà, classique. Ah, il m'a pas mis la rencontre avec... Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, test final. Donc, test final, en fait. On va s'arrêter là, hein, vous inquiétez pas. J'ai juste eu l'information. Romania était un dead end. Vous dites qu'il a menti? Le place est vrai, déserté. Mais nous n'avons pas de trace que votre homme était là. Et là, par contre, je ne connais absolument rien de ce qu'il faut faire. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'll be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching.
The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, initiate. D'accord. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous n'avez assez vu. Donc, bilan de ce début. On fait voir si les défis restent. Ouais, vous voyez, on a différents styles. Voilà, assassiné, j'espère. C'est un peu décevant quand même. Là, toutes les diapositives. Bon, c'est des exploits, hein, bien évidemment. On vous donne des trucs comme les assassinats. On vous dit par exemple assassiné avec un projecteur, etc. Je suis pas convaincu que ça soit vraiment utile. Je suis même plutôt convaincu qu'il faut mieux laisser découvrir ça que par les dialogues, etc. pour vous donner des possibilités. Par contre, vous donnez tout comme ça avec des défis en vous disant voilà, on peut bien sûr pas les voir. Mais en général, les défis, ça vaut des succès. Et la première chose que vous ferez, c'est de regarder comment, justement, ces succès ont été... C'est quoi les succès? Parce que si vous faites des succès, vous savez pertinemment comment terminer. Dommage. Dommage par rapport à ça. Alors après, c'est pas non plus à jeter. Mais on voit quand même que le jeu... Après, graphiquement... Très sincèrement, je trouve qu'il y a des jeux qui sont plus beaux. Alors on me dit monde ouvert, non, parce que pour l'instant c'est des zones. Mais je trouve pas si beau que ça. Je regarde par exemple la voiture, je la trouve pas si bien modélisée que ça. Après, très sincèrement, je suis assez déçu niveau graphique. Bon après, la bande son c'est anglais, pourquoi ils ont mis de français, ça je sais pas trop. Le scénar pour l'instant on peut pas trop en parler. Mais si ça ressemble à ce qu'on faisait avant, j'étais pas très fan des scénarios de ça. Mais sinon, sur le principe, on va dire que le gameplay est sympa pour l'instant. Attention, est-ce qu'il tourne pas en rond quand même? Parce que c'est ce qui faisait la grande force d'Absolution. Mais bon, on verra par rapport à ça. Bon, allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde!